de... J'ai du mal à le dire. Perfect. Ça devait être un peu... Ouais. Non, je rigole. Allez, on va tester un peu. C'est pour eux, sur, mon, sur la chaîne YouTube qui va avoir l'upload. C'est depuis mon live. Je le fais. Ça peut servir. Bah, j'espère que ça peut servir. Ça devait être important. Avant. Est-ce que c'est cicatrice? Ah, ok. Non. Ouais, ok. J'ai passé 4 heures à essayer de faire ça. Couleur est... Et bon. Bref. Seule cicatrice que j'ai, c'est sur mon bras. La voix, je m'en fous. Voilà. Faire ami uniquement. Non, ça fait pas Perfect World, si je me rappelle bien, si mes souvenirs sont bons. Et je l'ai pas acheté quand c'est sorti, j'ai attendu que ce soit sur le Game Pass. Que devons-nous faire quand le dernier espoir disparaît? Ça, c'est ce que vous devrez découvrir. Notre dernier espoir partit en mer avant vous. Pour trouver un remède au fléau qui nous chasse depuis des générations. Sa quête prit fin. Nous l'avons vu. Quand le dragon s'est élevé dans le ciel, tel un phénix, engouffré dans les flammes de l'agonie. Mais notre héros n'est jamais revenu. Les vagues n'ont apporté que la tempête, le fléau et la crainte indicible d'un terrible changement. Votre voyage ne sera pas facile. La tempête s'enroule sur la tour du dragon comme un linceul. Le dragon est peut-être mort, mais je crains qu'un autre mal ne se soit relevé de ses cendres. Chaque pas sera une bataille. Atteignez la tour, découvrez ce qu'il est advenu de notre guerrier. Affrontez ce qui rôde à l'intérieur. Je savais pas que c'était Bioshock. Quand notre dernier espoir disparaît, un autre doit prendre sa place, tant qu'il nous reste un souffle de vie. Ouais, ça me fait penser un peu à Bioshock, là, je sais pas pourquoi. Mais bon, je me suis pas fait spoil, alors je connais strictement rien sur ce jeu. Mais rien du tout. Je sais que c'était sorti, j'attendais savoir si ça sortait en Game Pass, c'était annoncé. Il est impossible de rejoindre une session après avoir terminé le toto. Oh, ok. Je suis là pour le tester. Gag. Ok, c'est pas attaqué. Ça s'est sprinté, B pour s'accroupir. Ok. Bim. Bah ouais. Hein. Je peux casser des trucs? Ah, ça c'est pas... Je peux sauter? Non. Ah, par contre, on a... Ça j'ai compris. C'est 25 de... 26 de dégâts. Yay! Oui. Ok. Dark Souls, nous voilà. Non, je rigole. Ok.
J'ai rigolé quand je disais Dark Souls, nous voilà. Hein. C'est parti. Qu'est-ce qui est parti? Ah! Nya! Oh. D'où? Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, d'accord. Wouh! Oh, waouh, tu te calmes! Esquive! Fais-moi esquiver, toi! Esquive! Oh shit! Pas eux! C'est quoi ce bruit? Me dis pas que c'est un bug audio. Hein. Okay. Oh, je peux utiliser la porte? Attends, tout est en train de se casser, s'effondrer et tout, mais la porte elle est nette. La porte elle est nette. La porte elle est nette. Elle est nickel, chrome. Oui, ça me trouble. Ils sont deux. J'ai plus de vie. Quoi par là? Oh, ils pouvaient quand même mettre un genre de petit secret ou quelque chose. Oh, peut-être pas. Je sais. Ça fait la roulade comme dans Dark Souls en plus. Il fait la même chose que moi. Il fait la même chose que moi. Oh shit, non. Le feu il regène pas non. Je croyais que c'est par là que je dois aller, mais il y a marqué stop. Boy. On peut explorer un peu ou... Moi, je vais me taper des murs invisibles, quoi. Bon. Il n'y a pas intérêt de me mettre un boss, hein. Oh. Ah. Wow. Wow, 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 wow. Hé, je vais mourir. Je vais mourir, je vais mourir. Moi je te vois là au-dessus, descends Fioker. Ouais, tu crois quoi? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Hein? Allez, descendez là. Oh shit! Ça va me faire mal! Je vais mourir. Non, je peux pas. Je vais mourir. À peine 10 minutes dans le jeu, je vais dû mourir. Je sais pas, est-ce que c'est le... C'est quoi ce... C'est des coups de feu ou quoi? Ah non, c'est cinématique. Merci. Dis pas que c'est moi qui dois le sauver. Ah bon? Il est mort, laisse-le, il est mort, laisse-le. Tu l'as sauvé pour rien, ma fille. Derrière toi. Oh, come on. J'ai plus de vie, alors moi je vais mourir.
Oh, c'est quoi ça? Ni, ils sont mignons. Intéressant, intéressant. Non, mais comme je disais, j'ai toujours... après, à part Nova Winter, comme je dis, j'ai mes propres soucis personnels avec. Mais pour faire des jeux de parfaite, je crois qu'après, quoi, une heure à deux heures, il me lasse, en fait. C'est malheureux de le dire, hein. Ça m'embête de le dire, faut pas croire, hein. Vous êtes réveillé? Mais des compagnies comme ça que j'arrive pas. Salut! Oula, vous agitez pas comme ça. Vous avez pris un sacré coup. Vous voulez quand même pas vous remettre à pisser le sang? À qui j'ai l'honneur? Je m'appelle Wallace. Kikou! Je voulais vous voir. J'ai demandé à la commandante si je pouvais. Ouais. Là, ça va, et toi? La commandante Ford et Monsieur Rigler vous ont trouvé dehors et... ils vous ont ramené ici. Mais ils ont dit... ils ont dit que Mark reviendrait pas. C'était... ton père. Laissez tomber. Ça va? La commandante a dit que vous devriez aller la voir à votre réveil. Elle est... dans la pièce au bout du couloir. Elle vous trouvera une place parmi nous. Tout le monde a sa place. À plus tard. Ok. Un enfant qui vient de perdre son père. Ok. Chouette. Ça commence fort. Il est où mon épée? Encore, tu me demandes de lire. Ah, c'est le genre de truc que je lis dans le montage, alors. Qu'est-ce qu'il y a, boy? Non, tu sortiras pas. Non. 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 Ah, allez. Bah, Jean, il a commencé à 7h du matin, il va entrer à 2h du matin, alors... ok. Je sais pas si je dois aller en haut ou pas, il y a pas de marquage. Cool! J'adore ces jeux. Qu'est-ce qu'ils ont tous à faire des jeux dans le... fin du monde, quoi. Wow! Ça fait du bien de voir une nouvelle tête par ici. C'est cool, mais c'est pas toi, je crois. C'est toi? Non, toi t'es médecin. Ah, y'a personne, ok. Faut consommer du feu pour rien! Je sais pas où je dois aller! Attends, pardon. Ah, les étages. Ah, voilà! Niveau 1. Shit. Oh. Ça commence fort. Non, c'était pas par ici que je suis passé. Boy, tout ce que tu vas faire, c'est aboyer dans le fin fond du jardin. Et franchement, les voisins commencent à être un peu fatigués, ça. C'est ici, je crois. Oh, gauche. Tiens, tiens. Regardez qui est réveillé. Dangereux, vous vous êtes battu comme un beau diable à nos portes.
C'est Riggs qui l'a, en bas. Je viens de lui. Si tout se passe bien ici, je veillerai à ce qu'on vous rende tout. Je suis la commandante Ford. Ceci est ma base. Et vous, l'ami, êtes l'invité surprise. C'est mon boulot de savoir quel genre de personne je fais entrer au service 13. On n'a pas vu âme qui vive sur cette rive depuis des semaines. Vous allez me dire ce que vous faisiez vraiment dehors. Ou je vous donne en pâture à la racine. Ok, la bouche ne bouge pas trop avec les dialogues. Qu'est-ce que je fais ici? Je me suis retrouvée sur un bateau, comme aller vers un phare, et boum. Par la tour. Personne n'a mis le pied dans cette tour depuis très longtemps. Mais vous n'avez aucune chance de l'atteindre avec cette tempête. Pour tout vous dire, le service a été coupé du reste du monde. On a dû barricader les portes après vous avoir traîné à l'intérieur. La racine est partout. Mais maintenant que vous êtes là, j'ai une idée. Soyons clairs. Vous voulez sortir d'ici? Il va falloir nous rendre un service d'abord. Je n'ai pas voulu. Mon perso a automatiquement essayé de sauver quelqu'un. Voilà. Tout d'abord, il nous faut du courant. La tempête a mis notre réacteur HS. Avec suffisamment d'énergie, on pourrait être en mesure d'activer une autre issue. Ce n'est pas vraiment une porte. Et si ça se trouve, ça ne marchera même pas. Le réacteur est au sous-sol. Il y a un escalier qui y mène. Remettez-le en route et revenez ici. Parce qu'il est hors de question que je perde encore l'un des miens aujourd'hui. Nous avons déjà perdu l'un des nôtres en bas, il y a quelques jours. Je soupçonne la racine d'avoir réussi à rentrer. Pour récupérer votre épée, allez voir Riggs. Je peux pas la voir, ça, non? Ah non, c'est toi, Riggs. Je suppose. Hey, c'est bon de vous voir sur pied. Bienvenue au service 13. J'ai fait de mon mieux pour vous rafistoler, mais vous avez l'air dur à cuire. Je m'appelle Rigler, mais presque tout le monde m'appelle Riggs. Ouais, c'est marqué sur ton Votre épée a été bien amochée pendant le combat. J'ai pas pu faire grand-chose, malheureusement. La lame était brisée quand on est arrivé. Tout juste bonne pour de la récup, maintenant. Il me semble qu'Ace a dit qu'elle avait trouvé quelques armes en ville. Peut-être qu'elle peut vous aider. La dernière fois que je l'ai vue, elle descendait vérifier le réacteur. Faites attention en bas. Pam 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 pam. Bam, 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 bam. Ok. Ah, ça c'est fluide, franchement. Même graphiquement, ça c'est fluide. Niveau contrôle, ça c'est fluide. Oh, come on! Are you kidding me? Vraiment? Elle m'a pas parlé d'avoir un accès? L'autre nuque, là. Je peux passer, ça? Non? Non? Oh, oh, hey, oh, 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 qu'est-ce qu'elle me fait, là? Génial! En fait, ça fait quoi? Rien, ok.
entendu un bruit. J'ai trouvé des passes, c'est ça? J'aurais bien voulu qu'on me le dise. Donne-moi le passe pour entrer. Où est-ce que c'est elle? Si c'est le cas, c'est pas dans le sous-sol. Quoi? Mais d'où vous sortez, vous? Derrière toi. Vous m'avez fait la peur de ma vie. Personne se balade par ici. Vous êtes pas du coin, pas vrai? Moi, c'est Ace. Ace Cottrill. Vous? Ah bon? Eh bien, vous l'avez trouvé. Ah! Par contre, démarrer cette antiquité pourrait nous attirer des ennuis. Alors, vous savez comment démarrer un réacteur? Ok, je sais que c'était écrit sur le tableau quand tu descendais. Ok. Mais... C'est obligé de mettre 3 niveaux? Non. Je vous préviens tout de suite, ça fait un bruit d'enfer. C'est vrai? Heureusement pour vous, il suffit d'appuyer sur le bouton du terminal là-haut. Je l'aurais bien fait moi-même, mais sans savoir sur quoi je pourrais tomber. Par contre, à nous deux, peut-être que nous avons une chance. Bon, j'ai une idée. Montez démarrer le réacteur. Je vais vous aider à buter tout ce qui montrera le bout de son nez. Vous avez sans doute besoin d'une arme, oui, pas vrai? Attendez, voyons voir si j'ai quelque chose pour vous. Oh! 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 Rapprochez... T'es quoi, toi? Bien, ce sera pas du luxe. Montez et démarrez le réacteur. Quel étage? Pour savoir, parce que vu qu'il y a 3 sous-sols ici. Non? Ok. Pardon. Ok. Montez et démarrez le réacteur. Poum. Désolé. Ça m'intéresse, franchement, j'espère que ça va m'intéresser assez longtemps. Appuyez sur la barre d'espace pour continuer. Je suis avec une manette. Démarrer? Oui, le reste je... Je peux descendre? J'ai des tripes et des voyous. Oh shit! Elle change d'arme. Hey. Oh! Hé, hey, salauve! Ouh! C'est pas joli. C'est bien une idée. Il y a du loot.
J'aime bien le côté arme et bon, ça j'aime bien, j'espère que... T'es mort ? Directeur en route. Moi, je peux savoir si c'est en route avec le bruit. Yeah, oh, nuque. Ouh. À savoir que je n'étais pas très doué Dark Souls, hein. Je crois que ça peut venir, mettons. Ah, oh, cinématique. Je crois qu'il est énervé. Ça devrait faire l'affaire. Vous vous êtes bien battu. Vraiment bien. C'était une bonne idée de vous envoyer ici. Vous feriez mieux de retourner voir Ford d'ailleurs. Venez me rendre visite à l'atelier de temps en temps, ok? Je vous ferai une ristourne spéciale. Se débrouille bien en combat. Oh, wow, cool. Ça fait quand même du bien d'avoir de la lumière par ici. Vous prenez beaucoup de risques pour des gens que vous connaissez pas. Ah oui. Comme ça, vous essayez d'atteindre la petite île, hein? Les bruits courent vite. Surtout qu'il n'y a plus beaucoup de bruit par ici. Écoutez, je sais bien que je suis un illustre inconnu pour vous, mais... je veux vous aider. Je sens que vous avez... une destinée. Vous allez sauver le monde, hein? Oh, vous en faites pas. Votre destinée vous trouvera tôt ou tard. Tenez, j'aimerais vous donner ceci. Pas beaucoup de monde arrive à garder la tête froide là-dehors. Une vieille connaissance me dit que cette babiole permet même d'échapper à la mort. Au moins, pour un moment. Et si vous cherchez d'autres trésors pour vos aventures, venez me voir. Est-ce à son propre espace? Juste là. Et à nous deux, on manque pas de ressources. Mais ce truc-là, c'est gratuit. Faites-en bon usage. J'ai jamais confiance. Parce que le reste du monde l'est pas. Disons que ça équilibre les choses. Oh, et une dernière chose. Hélène, la commandante Ford en sait plus long sur cette île qu'elle le laisse paraître. Interrogez-la sur le fondateur du service 13. Elle vous mettra sur la bonne voie. Vous avez vraiment choisi un sacré moment pour visiter le service. Mmh. Il paraît, oui. Il paraît. Ok. Ok, maintenant les touches. Bon. Pêche à Ford. On va aller travailler Ford. Puis Ford. Ford. Mustang.
Non, c'était ma chambre. T'as pas beaucoup bougé, ma fille. Ravi de voir que vous avez redémarré le réacteur. Et je vois que Reggie vous a donné le cœur draconique. Il ne se séparerait jamais d'un artefact aussi puissant sans une bonne raison. Alors, j'imagine qu'il vous a dit que je pourrais vous aider. Très bien. Reggie joue peut-être les vieux fous. Mais il se trompe rarement dans son jugement. Vous avez prouvé que l'on pouvait vous faire confiance. Je suis disposée, mais je doute que vous puissiez survivre longtemps là dehors, merci. Dans cet état. Merci. Allez voir Riggs et McCabe en bas. Ils vous donneront un meilleur équipement. Revenez me voir après ça. Je suis pas encore morte, hein. Bon, je suis pas encore morte, hein, madame. Je dis ça, mais je dis rien. J'en ai trois, hein, il m'en a donné trois. Je pense qu'il m'en a donné trois. Moi, je pensais qu'il m'avait donné qu'un, mais non, finalement, trois. Bon. Fais-moi Robocop. Hey, salut. Merci d'avoir rétabli le courant. De rien. Ford a dit qu'on devait vous équiper pour la ville, pour vous remercier de nous avoir sortis du pétrin. Eh, peut-être qu'on va pouvoir tirer quelque chose de votre vieille lame, après tout. Ah bon ? Laissez-moi y jeter un œil. Objectif éteint. Cool. Rings pour l'aménager nos armes, nos armures, à l'aide des matériaux trouvés, à l'aide des explorations dans le monde, l'amélioration des armes, essentielle pour faire face aux ennemis. Toujours redoutable du jeu. Really? Ok. Ouais. H. Tiens, on va l'améliorer. Ok. Tiens, je peux pas améliorer les autres. Seigneur de feu. Ouais, tu sais quoi. Ah non, c'est déjà niveau max. Ah bah cool. Ah d'accord. Voilà qui est mieux. Oh, et prenez ça. C'est pas ce qu'il y a de plus solide, mais ça vous protégera toujours plus que ce que vous avez. Et voilà, c'est un peu plus costaud. Tout est bon à prendre. Capable. Yeah. Chapeau. Ok, mais... C'est vrai, on n'a pas grand-chose, mais... Vous nous avez rendu un fier service. C'est normal qu'on en fasse autant. Si vous avez besoin d'améliorer vos armes à l'avenir, venez me voir. McCabe, là-bas, vous aidera à améliorer votre équipement. Mais... n'essayez pas de taper la Cosette. Cool. Elle est pas du genre à parler plus que le strict nécessaire. Ah, le genre de personnage que j'adore. Ah, donc c'est vous le rebut dont parlait Ford. Merci. On a déjà assez de bouches à nourrir comme ça sans devoir en plus s'occuper des clodos de passage. Cool. On dirait bon. Apparemment, buter quelques bestioles de la racine suffit à impressionner notre commandante. Si Ford m'oblige à perdre mon temps avec tous les paumés comme vous, on va pas être copines. Je suis McCabe, l'ingénieur. Et vous, vous m'emmerdez. Je suis pas là pour faire les poubelles, compris? J'améliore que le bon matos. Ça, c'est le genre de personnage que j'adore. Enfin! Alors ça va. Bon, alors, qu'est-ce droit qu'on a but. Là? Droit au but! Clac! Vous aurez rien de plus pour l'instant. Apportez-moi plus de composants et je vous en ferai d'autres. Mais pas gratos. Maintenant, barrez-vous. J'en ai marre de vous entendre jacter. Ouais, ouais. Ça, c'est le genre de personnage que j'adore. Je l'adore. Oh, comment ? Je veux aller dehors, je veux aller tuer les méchants. Pardon. Ok. Ok, je suis
fan de ce personnage. Franchement, oui. Là, oui. Oui, elle est parfaite pour moi. Elle est moi tout craché. Contente de vous voir avec un meilleur équipement. Riggs et McCabe font du bon boulot. J'espère que ce sera suffisant pour la suite. Nous ne pouvons pas sortir par la porte pour le moment. Mais le fondateur, mon grand-père, m'a donné cette clé il y a des années. Il a dit qu'on ne devait l'utiliser qu'en dernier recours. Eh bien, nous n'avons plus le choix. Vu comment vous vous êtes mis en quatre pour nous aider, je vous laisse l'honneur. Prenez ça. Il y a un terminal en bas, dans la pièce principale. Servez-vous de la clé pour le déverrouiller. Avec un peu de chance, on pourra remettre ce truc en marche. Oh. Attendez, avant de me remercier. Mmh. Je dois aller où maintenant? Truc en bas. Ah, la porte est là, je crois, non? Ah, mais attends, pourquoi ça c'est rouge, hein? C'est ça la porte? Oh, hey, va! Wow. Non. Pourquoi ça clignote rouge là au-dessus? Mais il y a un autre jeu que j'ai envie de retester là. Que j'ai pas du tout apprécié au début. En plus, je l'ai acheté. J'aurais dû attendre que ça soit sur Game Pass. C'est Vampire. Et ça, j'ai envie de retester parce que je crois qu'ils ont fait quand même pas mal de petites mises à jour dessus. Ah bah, c'est ça. C'est assez joli. C'est ça ma manière d'entrer et sortir. J'ai lu beaucoup de choses à son sujet. Mais je ne l'avais jamais vu en marche. Cet œil écarlate pourrait bien être notre seule issue vers le monde extérieur désormais. Vous voulez partir d'ici? C'est le moment ou jamais. Eh bien, réjouissez-vous, ce ne sera pas nécessaire. Tout ce que vous cherchez vous attend dehors. Mon grand-père était le commandant du service 13 avant moi. On l'appelle le fondateur. C'est lui qui a mis tout le monde en sécurité ici, la première fois que la racine. J'adore, j'ai pas demandé qui c'était le fondateur. Il était déterminé à découvrir d'où venait la racine. Il a passé tellement de temps dehors, à chercher. Et puis, un jour, il connaissait le monde extérieur mieux que quiconque. Mais c'est plus facile de penser qu'il est mort. Il y a une pièce juste à la sortie du service. Vous y trouverez toutes ses notes, et peut-être des indices sur sa disparition. Si vous voulez atteindre l'atoll, il pourrait bien être la dernière personne à savoir comment s'y rendre. Écoutez, je sais que vous en avez bavé. C'est le cas de tout le monde. Mais vous en avez fait beaucoup pour moi. J'ai rien fait. Et pour ça,
Je vous suis reconnaissante. J'ai juste appuyé sur un bouton. Revenez quand vous voulez. Bonne chance. Là, je suppose que je vais avoir, de nouveau encore à faire eux, alors ça va quoi, mais... Voilà. Yes, on va enfermer ma fenêtre. De rejoindre cette session. Ah. D'accord. Bah, je pense que je vais faire des allers-retours avec ça. Mode aventure, ok. Le mode aventure est disponible, est disponible. Vous pouvez y accéder dans les paramètres du mode de la pierre monde du service 13. Vous pouvez avoir un mode de campagne, un mode d'aventure active. Rendez-vous dans les paramètres du monde. D'accord. Voyager. On va voir, hein. Le fer, le plus vieux métal du monde. Enfin, qu'est-ce qu'il en reste? Bah apparemment, il y avait beaucoup de voitures d'or, alors... et tout était presque en... fer. Mais je viens te voir, boy, hein. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de fer que ça. Ok. Je crois pas que c'était ici que je voulais y aller. Ah d'accord, c'est reposé au point de passage en munition, le cœur de... C'est Dark Souls, quoi. On monte déjà également au combat. Tous les joueurs devaient utiliser le point de passage pour pouvoir se reposer. Ah, non. Alors, non. Ah, oh, ok. Les consoles... là, service 13. Ok. Bon, bah... On va voir, on va... Oh, fait jouer. J'espère. Ouais, c'est un genre de Dark Souls, quoi, mais... légèrement moderne. Oh god, c'est quoi ça? Oh, c'est bon, oui. Papa, je vais bientôt mourir. J'ai toujours cru que la racine... Tu es le seul humain du monde. Ta fille, ok. Pas fermé. Mais en fait, c'était ça que je voulais prendre. Je peux pas prendre ça? Non. Ok, bon, apparemment ça, je peux pas le prendre. Ah si, de loin. Yeah. That's... What is this labyrinth? Quel est cette... labyrinthe. Oh shit. Hélène, je voulais te dire que je t'aime et que je suis désolée. Désolée pour tellement de choses. Les paroles ne résolvent rien. J'en suis... Adieu. Ok. Tu vois, il y a du métal. Là, là. Il y a du fer partout. Je veux dire, il n'y a quand même pas un mob, donc je sors ici. Ben, j'ai un peu du Dark Souls avec un peu de Westland. Je crois que ça s'appelle Westland, je m'en rappelle plus. Ah, y a du métal, y a du fer là. C'est rouillé, et là, c'est quoi? C'est du fer aussi.
Hey, yo, toi. Bah! Ah, oui, il spawn beaucoup plus souvent que je pensais. Qu'est-ce que tu crois, toi, hein? Qu'est-ce que tu crois? Je qui s'en marre. Non, j'ai vraiment ça, quoi. J'ai du Westland et du Dark Souls en 1, là. C'est tout, là. Mais non, je sais pas du tout ce que je dois faire. Un peu trop à mon go là. Il vient pas s'entre-attaquer ce là. Ouais, je t'ai fait. Je t'ai fait. Ah, mais c'est là que j'étais il y a tout de suite. D'accord. Mais c'est joli, franchement. C'est assez joli. Est-ce que je vais savoir tenir le coup plus de quelques heures avec un parfait noir? Ok. On va voir. Y a pas de poissage là, ok. Bah gère toi. Au revoir toi. Ok, y a pas de passage, mais comment je fais pour accéder à ce bon passage? Duh. D'accord, y'a pas. Ah, y'a une porte qui s'ouvre pas. Ok. Je pense qu'il doit y avoir moyen de l'ouvrir. Bon, toi, tu me vois de loin, toi, hein?
Eh, tu veux voir le même système de loot dans Neverwinter, hein. Tu ouvres une caisse et voilà tout ce qui tombe. Oups, désolé. Toi, t'es grand, toi. Oh, t'es grand, toi. Oh shit! Cours. Shit! Aucun dégât. Et oh. Dark Souls. Oh non, je suis en train de ramener toutes les mobs. Bugger. Ça sent pas bon là. Elle peut quand même sprinter, se soigner, non? D'accord, première mort. William Shakespeare. J'ai pas eu le temps de lire là. Ah, intéressant. Intéressant, franchement. Ah là, ah, c'est intéressant ça, ça j'aime bien ça. Non, pas là. Je peux le déséquiper? Ah, je peux pas le mettre à mon... Ah, si. Donc c'est celui-là que j'utilise le plus. Ah mais attends, on peut... On va essayer quelque chose. On va mettre un peu en public. On va voir un peu qu'est-ce que ça donne ça, côté public. Est-ce que les mobs respawnent? Et ils doivent y respawnent. Youhou! Ah, j'ai des bandages maintenant. Il est à terre. C'est chouette de savoir que mon perso sait parler. Pas trop victoire trop vite, hein. C'est moi qui tue ma fille. Hein. Oh, c'était chaud.
Ah, je sais pas comment il faut faire pour le point de passage, mon ultime. Ah, le plus grand, mettons, il est plus près. Il est juste là. Oh, shit! Mais laisse-moi esquiver! I'm Groot. Et voilà le travail. Oh, c'était chaud. Mais c'est vrai que je ne suis pas équipée de mon truc d'arme. Je l'avoue. J'avais déjà vu le cadavre. Ah, ok, ça. Ça te laisse looter ce que t'as déjà loot en fait. Et c'est pas mal ça. Malgré la mort. Oh, c'était chaud. Malgré que tout soit mort. Ça te garde ton loot looté quoi. Ça c'est pas mal. Me dis pas qu'il y a encore un grand. C'est assez donné, là. D'accord, ok. Tire le loin, fais pas le même dégât que tire de près. C'est intéressant, franchement, je crois que c'est un jeu qui pourrait me plaire. Par contre, je sais pas si des ennemis respawnent après un certain temps. Qu'est-ce que ça ? Non, j'ai pas envie d'aller dessus, je sais pas qu'est-ce que c'est.
Je crois que c'était un hôtel. Oh, franchement, je crois que c'est un jeu que ça peut me plaire, ça. Pas pour vous, mais pour moi, oui. Que ça. Ouais, je pensais que c'était un ennemi de loin. Ah, c'est juste du feu. Caca. Bordel. Oh, il y a quelque chose qui grogne là. C'est là. Oh, ok. Bon, on va l'utiliser, on va voir qu'est-ce que c'est ce truc. Hein. Non, franchement, ça a l'air pas mal. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime énormément. Surtout le gameplay. Comme j'ai dit, promesse que c'est Perfect World. Alors, des fois... un peu comme ça on récupère tout ce qu'on a besoin de récupérer. Ok, les améliorations des armes. Ok, il vous suffit de pour allumer dans les pièces vous permet de surmonter les défis les plus exigeants. Ok, oh waouh, il y a une tête de mort là dessus les ennemis les plus difficiles ont de santé, d'améliorer les amendements des dégâts. Ok, qu'ils infligent. Oui, je l'avoue. Les ennemis ne plus difficiles leur frappent plus fort. Hein, votre armure vous permet de mieux résister aux dégâts et prolonger votre vie. C'est vrai, c'est comme dans presque tous les jeux. Pourquoi je suis en train d'entendre des méchants?
Ah oui, d'accord, il y a... Elle est méchante, elle est... au point de repos, quoi. Cool. Pas juste. Et je m'attendais pas à ça quand même, je m'attendais pas qu'ils arrivent comme ça. Ah, ils sont chouettes ces bébêtes. Ils sont pas chouettes, ces petites créatures. Oh, je les aime bien. Pas victoire trop vite. Hein.
C'est quoi ce truc? Ouf. C'est fini. C'est quoi ce truc là? Horrible. Ça me fait quoi? Attendre un peu que la fumée... Ah voilà. Bon, cette partie va être plus longue que je pensais, malheureusement. C'était chaud. Ah, j'adore le côté Dark Souls. Ça. J'en suis fan. Ah, franchement, la chance. J'aime bien. J'aime bien le jeu. Il est chouette. Voilà. Je suis pas mécontente, franchement. Bon, par contre, la question est, est-ce que on sait... Bon, je vais arrêter là pour le moment. Je vais vous dire des gros bisous. Bisous, bisous.